Et salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve aujourd'hui pour la campagne Silostra en légendaire Code Vampire. Et on continue là où je m'étais arrêté au dernier épisode. Désolé si je suis un peu tronqué, c'est pas encore bien mis en place. Alors, on avait capturé cette ville-là à la fin. Et on va continuer d'évoluer du coup, simplement avec cette armée-là, plus cette armée-là. Silostra qui prend au prochain tour cette ville ici. Ici, ces deux armées continuent d'avancer par là. En gros, nous explosons les elfes noirs et on le vit bien. Alors, juste avant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Hop, voilà, comme ça, ça sera fait. Les murs, important, les murs. Toujours repérer les murs, on ne sait jamais. Des murs. Tout le temps, des murs. Il faut des murs et des murs. Regardez, il y a un mur, hop, on fait un mur. Voilà, on veut des murs. Des murs. On peut pas mettre de murs, mais on en mettra dès qu'on pourra, on mettra des murs. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Oui, j'avais pas fait les cours en vrai. J'aurais dû le faire. Hop, voilà, défense en mêlée, je ne sais même pas pourquoi. Tu veux un deuxième truc Ça j'aime bien. La portée de déplacement, il n'y a rien de meilleur. Alors du coup, on est parti pour avancer. Admiral of the fleet. No prey, no pay. Jusqu'à là-bas. Avec en plus cette armée là pour attaquer la tour blanche qui n'est pas très bien équipée. I have sailed the world. Yes. Nickel. Silostra va s'attaquer à cette ville. Il leur faut encore un tour, j'ai cru voir. Pardon. Et eux, bah eux ils peuvent avancer encore. Regardez, hop. Ça aussi, elle nous attend, elle nous tend les bras. Si ça, c'est pas beau. Allez, on attaque, on prend pas le temps de se poser là. C'est pas grave. Ce qui va faire très mal, en vrai, c'est surtout... Alors je vois que des fois j'ai des petits coups de rame, faudra que je comprenne pourquoi. Ok. Alors, dans cette bataille-là, bon, on va pas trop s'embêter. On sait que les mortiers vont faire le café, ça dans tous les cas. Eux, ils avanceront par là. Voilà. Voilà. En vrai, eux, ils peuvent avancer comme ça. Voilà, on a qu'à la nommer deux. Défoncer la porte. Faire tomber les défenses, monseigneur. Prenez la cité d'assaut. Attaquez sans relâche. Voilà.
Il risque de faire mal, donc on va les bouger assez rapidement. On va les mettre plutôt derrière. Voilà, nickel ici. Bon, les squads d'élite, hop, ça arrive par derrière. Ils sont bientôt tous en place. On peut y aller. Le but est de faire mal là. D'accord. Faire gaffe quand même parce qu'ils font mal à de rien. Quoi? Ok, on va mettre la régène ici. On va dire à eux d'attaquer ça, à eux aussi. Nickel. Allez, on y va. On défonce tout. Il va falloir monter sur les murs. Ici c'est bon. Nickel. J'ai eu un peu peur. L'espace d'un instant. Mais non, c'est passé nickel. Parce que l'air de rien, ça gratte les dégâts. Hein. Ça gratte à chaque fois là. Je vais faire attention quand même. Regardez, ils me font de la perte, hein, 252. Leur mur pourri et tout là. Mais eux, ils font le café, je suis content. Eux, ils ont fait aussi leur taf en soi. Plutôt eux qui ont du mal à percer. Vraiment, sur les murs, je les sens pas frais, les côtes vampires. C'est ironique. Oui, tu peux. Alors. Donc voilà. Thor et Lyr nous appartient. On met des murs. On met du vin, pourquoi pas. On met ça. Et on met ça. De ce côté-là. Pour l'instant, c'est bon. Et du coup, notre Silostra bien-aimé va s'attaquer à Thor Ivresse. Ça va être une partie de plaisir. Avec le petit canon lance-flamme, plus la petite reine baisse,
Tout ça, c'est propre, tout ça. Des sirènes, un foison. Ça nous va. Oh, il y a un courant d'eau qui passe là. C'est joli, ceci dit. Si on pouvait attaquer de là... Ah non, on peut pas. C'est dommage, je pensais que c'était un passage. Pas du tout. Ok. Donc voici notre... Oh. Les tours magiques. J'ai l'impression que ça rame un peu de temps en temps. Hein. Il va falloir que je vérifie, mais... Il va falloir que je comprenne pourquoi. Alors... De toute façon, je pense qu'avec eux, c'est plutôt genre on enfonce toutes les portes et on y va. Dans l'idée. Par contre, j'aime bien ne pas avoir d'angle pour mes canons. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, hein. Ici, c'est que des gros monstres. Hein. On envoie tout, tout. Ça, c'est mes unités en test. Je ne sais pas du tout ce qu'ils donnent, mais j'étais curieux. Et ça, du coup, bah, c'est ce qui part sur les murs en mode allez-y. Voilà, je crois qu'on a tout le monde. Ok. Vos armes lance-projectiles pourraient être décisives dans la bataille à venir. Allez, on y va, on booste tout le monde. Allez, faut monter sur les murs, les banshees. Allez, défoncez-moi une tour. Je sais pas si ça fait mal le lance-flamme là-dessus, mais on essaye, hein. Ça fait n'importe quoi quand je touche le... Ah, la porte est enfoncée. Ah bah allons-y. On a mangé la porte. Bonjour. On a toqué, ça répondait pas. Alors... On s'est permis de rentrer. Ah, il faut être efficace là. Hein. Efficacité. Avec leur canon.
qu'il y a quelqu'un sur... Ouais. Allez. Voilà. Allez-y les sirènes, faites-vous plaisir. Ah, bah apparemment, non, sérieux. Eux tout seuls, ils se l'ont fait là. Oui. Eux tout seuls. Le général ennemi est tombé, monseigneur. Oh, je les avais oubliés, eux. On va amener ça, voilà. Juste avant qu'ils disparaissent. Voilà. C'est très bien. Réunis-les-moi. Je voudrais leur parler 2 minutes. Bonjour, vous. Il hésite à tirer, hein. Ah. Ok. Ça va. 14 pertes, ça me va. Je les avais complètement oubliés, mes artilleurs prométhéens. Je les ai même pas placés, rien du tout. Ils étaient dans la forêt. D'un côté, ils ont contenu une unité sur une tour. Je sais pas ce que c'était exactement. Leur taf, c'était de prendre des coups, en fait. C'est les bigorneaux, hein. Voilà. Ah, ça se répand vite. Là, comment? Les codes vampires, hein. Hop, en 2 secondes, tu regardes. Tout est à eux, là. En plus, on pollue tout avec notre... notre comment? Notre corruption, là. T'inquiète pas. Là, dans un tour, donc ça c'est bon. Cette armée là du coup, ça y est, elle a bougé. Celle-ci c'est fait. Est-ce qu'on profite? On regarde pour les bâtiments. Y a-t-il des murs à construire? Des murs, on veut des murs. Y a pas de... Si, y a un mur. Voilà. La ville, ça fait 100 ans que je l'ai. J'ai même pas un mur niveau 5 avec. On verra à quel point on fait gaffe, hein. Bon, il y a tellement de trucs à évoluer là que... Et du coup, au niveau des... des flottes. Ok. Elle, c'est... Ok, elle a pas grand chose, mais on l'accepte quand même, c'est pas grave. Que je te prends. Ça. Ok. Oh, tu as assez pour prendre le dernier truc. Alors qu'est-ce que tu n'as pas? Là-dedans, tu as tout ça.
Ok. Et ici, tu as ça. Comme ça, tu débloques. Le taux de reconstitution est meilleur. Ouais, ça me va, ça me va. Ok. Des points, comme d'habitude. Je sais même plus où les mettre. Je sais même plus quelle armée c'est. C'est une armée quand même d'arquebuses. Donc on va quand même aussi faire tanker les gardes noirs. Les gardes de profondeur, hein, on va partir là-dessus, je pense. Et ici, la corruption, bien sûr. Voilà. C'est bien, c'est que ça va assez vite. Donc on fait que capturer, on est en mode vraiment... Et à partir de là, en espérant que ça soit d'assez bonne qualité, je prévois simplement de terminer cette campagne comme ça. De cette façon-là, je vais réinstaller certains trucs correctement. Il y a la campagne naine qu'il faudrait que je termine aussi, qui est moins bouffante, je crois, que celle-là, donc ça me va. Un peu moins de soucis, peut-être qu'elle est corrompue à force. Je sais pas. Allez, à moi. Alors. Ma première ville qu'on va attaquer, l'enclume de vol. J'ai pas des héros qui ont pop depuis. J'ai cette armée là, cette armée là, cette armée là. Non, toujours pas, on dirait. Bon. Il va y avoir des pertes, mais avec plaisir. Donc là, le but est de défoncer la porte d'entrée. Pendant ce temps-là, tirer, envahir les murs avec même la... La terreur guest au cri mortel. Voilà. Plein de bêtes. Des bêtes et des bêtes et des bêtes. Une porte à défoncer. Le même schéma de carte que juste avant. Bon. Pourquoi pas, hein. Voilà. Voilà. C'est toute l'armée là? Non, il reste lui. Un. Deux. Trois. Quatre.
Départ, on fait un farcing. Envoyez des troupes capturer les défenses ennemies. Ok, ça on loupe pas. Allez, on peut faire très mal là. On peut faire très mal. Bien joué. Allez, on y va avec les nécroflex. On rentre dans le tas. Allez, tu leur rentres dedans un peu, voilà. Ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Allez, on y va. Hop. Je pense que c'est bon, ils vont se faire un petit chemin. Voilà, ça va sniper. Ça essaye de résister. Allez hop. Pas très efficace, hélas. Voilà. Un. Voilà. Il n'y a plus qu'à tuer la matriarche. Toi, tu vas aller chercher les petits fuyards, vite fait. Voilà. Voilà, ça meurt. Allez, derrière vous, ça tire là. Nickel. C'est cadeau. Voilà. Ils ont fait le café. Ça a fait le café. Puis les autres ont tenu, c'est tout ce qu'on leur demandait. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de pertes et pourtant, ça aurait pu être pire. Garde des Nagarons, enfin, le Nagaron. Les gardes des profondeurs, j'ai toujours du mal à les situer. Hein. Un coup, je me dis, ah, ils sont pas mal.
franchement, ils ont l'air de qualité, enfin. Et des fois. Voilà. Des fois. Et je me dis, ouais, franchement, ils sont pas mal. Et des fois, ils ont l'air pas si ouf que ça. Je pense pas que ça soit un tier 3 soldat vraiment. Oufissime. Ils sont durs à juger. Ils sont durs. Voilà, ici c'est bon. Ici on avance. Je lis même pas ce que j'ai eu. J'ai eu une lame hurlante. Je mets le masque A et je fais peur à tout le monde. Oh, ici c'est défendu. Ici non. Mais ici oui. Pourquoi, je ne sais pas. Ils ont mis des murs. Ah, ici, ils ont mis des murs. S'ils mettent des murs à un moment, ça pourrait être plus chiant, mais plus de plaisir. Alors. Denied. Regardez, on commence à avoir, ça y est. Donc là, on a une garnison basique avec une armée. Une armée qui déconne pas. Hein. Ça y est, la première opposition se fait. Ça, j'attaque dès que je peux. Tiens, 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 regardez, ça commence à arriver. Hein. Ici, c'est pas défendu, donc ça se prend. Ok, pas de souci. Allez, on va aller la chercher vite fait. Faire comme tout à l'heure, on va enfoncer moins vite la porte par contre, mais derrière il y a du mongul, il y a Grano, il y a deux vampires, il y a de la régène. Allez, ça sera peut-être sur cette dernière bataille. Du coup, je vais m'arrêter pour cet épisode. Vous voyez, ça monte et les premières forces elfes noirs arrivent finalement pour empêcher mon attaque, je suppose. Ou alors c'était une armée errante, mais je pense que là, l'IA commence à se préparer justement pour me contre-attaquer. Parce que là, l'air de rien, je lui ai pris quand même beaucoup de choses et des trucs assez lourds quand même. Hein. La seule ville où j'ai vu une défense, c'est pas une ville très importante en vrai chez Hotelf. Hein. C'est une ville d'extérieur, elle peut être très bien défendue, mais je sais même pas s'il y a un monument dessus. Qu'une idée. Moi, je perds pas de temps dans tous les cas. Hein. La Blitzkrieg continue. S'il y a un premier front à un moment, tant mieux pour eux. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour moi? C'est peut-être cette porte-là, mais elle est un peu relou à prendre. Ou cette porte-là. Simplement celle-ci, on force. Le problème, c'est qu'ici, j'ai pas envie de me retrouver entouré. Ça m'embêterait un peu, faut le dire. Ici, on enfonce la porte comme ça. Tirer dans les tentes, on s'en fout de ces tentes. Je crois même pas que ça empêche de tirer. À tester, tiens. Le bataillon. 1. 3. Bah lui, de toute façon, il va courir avec les mongules. Une fois que la porte sera faite. Hop là.
Ça. Oui, 4, tôt. Alors vous, normalement, vous allez avec eux. Et eux. Ahoy! Fleet Captain! Ready! Hein? Ah non, non, non. Ouais, mais non, 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 voilà toi. J'étais en train de bugger, je me disais, qu'est-ce qu'il me fait le truc? Pourquoi il veut pas? C'est normal qu'il veut pas. Prennent tarif, ils prennent tarif. Ils prennent un peu trop de dégâts, calmez-vous. Voilà. Allez, feu! Voilà, faut que ça crame un peu tout là. Peut-être perdre des mondules, mais c'est pas grave. Est-ce que les mondules sont vivants encore? Ok, on essaie de leur donner de la régène. Si on peut éviter de les perdre, tant mieux. Ok, ça, ça peut continuer d'avancer, même jusqu'à là-bas. Ça, c'est important qu'il continue à, justement. Surtout eux. Je pense qu'il est important de défoncer chacun d'eux. Jusqu'à reddition totale. Toi, tu vas aller jusqu'à là-bas. Regardez, ils essayent de se reprendre, sauf que bah voilà. Ça va couper direct, ça. S'il y en a un tout d'un coup qui a une idée de génie, hop, on coupe direct à la racine. Oh. Look!
quête m'aider. Alors, c'est les gardes noirs. Faut faire gaffe parce que ça peut être très efficace. Bon, attendez. Hop. Ah, ils sont tellement nombreux, j'arrive pas à cliquer. Voilà. Hey, go. Kane, forgive me. Voilà. Pardon. Nickel la prise. Et ben voilà, qui a fait le café? Je pense que 50, 36, 58, 30, 42, ils ont fait le café. 56, c'est bon. 69, oui, encore une fois, Garden à 40, qui a fait quand même son taf. Mais, alors les Mongols, ils ont fait 0, mais ils ont tapé la matriarche. C'est là-dessus que je les ai mis. Et du coup, voilà, je pense que l'épisode va s'arrêter là. On va juste aller checker rapidement, du coup, ce que ça donne. S'il n'y a pas autre chose à prendre. This is pirate land now. Oh, lol. Il y a vraiment quoi refaire là? Voilà. Oh, la seconde peut peut-être prendre ça aussi rapidement. Ah, c'est défendu, hein, l'air de rien. Hein. Ah, attention. C'est défendu. Et toi, ton armée, elle est composée de ça, ce qui n'est pas fou. Mais tout d'un coup, elle devient plus intéressante quand elle fait ça. C'est quoi l'armée? Alors, attendez. Hein. Parce qu'il faut pas que je me faille. Du matriarche, du garde, du sombre trait, du cavalier. Matriarche. Donc finalement du 7-13 contre du 18. Ça m'a l'air d'être très jouable quand même. Hein. Le problème c'est qu'ils ont clairement des meilleures unités que moi. Hein. Ça, c'est clair et net. Oh, on va pas attaquer tout de suite. Je sais même pas si elle a la portée. C'est ça le pire. C'est qu'on veut me tenter. On veut me tenter. Je vais recruter. Écoutez, on va ressusciter. On va la faire rapidement aussi. Ça sera fait. Par contre, il me faut clairement du tireur. Hop là. Voilà. C'est une armée toute nulle. Mais au pire, je reculerai si ça pue. Et si je vois gagnant, je fais de l'autorésolution. Ah non. Non. Rompe le siège. Non, non, on rigolait. C'était un petit test. Ils ont des murs, c'est mort. Ils n'auraient pas de murs, c'était bon. Bon, bah voilà. Si l'Ostra aussi hésite un peu à attaquer, ce qui se comprend. Sauf si tout d'un coup on attaque là-bas. Ah, voilà. On va peut-être attaquer ça, par exemple, avant. Parce que ça, bah, c'est quand même bien défendu. Et du coup, je crois que toutes nos armées se sont déplacées, ont attaqué, ont fait ce qu'il faut. Hop. Dernière vérification. Oui. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée. Ici aussi. Ici, bah, je vais être bloqué pour l'instant à cause de cette armée. Donc, à moins que je prenne une porte... Mais non, c'est très bien défendu les portes. Pour l'instant, je vais pas pouvoir faire grand chose. Du coup, je m'arrête là. Des gros bisous YouTube et je vous dis au prochain épisode. Je pense qu'on... Si je devais quantifier, encore 2-3 épisodes et on peut espérer terminer. Voilà. Des gros bisous. Ciao, ciao.